سيدة الرئيسة احكي لنا على اليوم الدراسي وشنو هو الموضوع ديالو كان. <applause> شكرا هي كانت مائدة مستديرة من, من طرف جمعية جسور منطقة النساء المغربية بشاركة مع فونداسيون فريدري على نمط الاقتراع نمط الاقتراع من أجل دراسة أي نمط اقتراع يمكن رفع من تمثيلية النسائية في في المجال السياسي وكان حضور وازن من أساتذة جامعيين وخبراء في في القانون الدستوري كانوا معنا جميع الأحزاب ممثلة تشتغلوا معنا في هذا المشروع حزب الاتحاد الاشتراكي حزب الاستقلال حزب الاصاله والمعاصره التجمع الوطني الاحرار الحركه الشعبيه البي بي اس وايضا النقابات اللي انخرطوا معنا في لو جي تي ام لو ام تي وكانوا نقابات اللي اعتذروا وانما هما منخرطين معنا في المشروع كانت معنا حتى مؤسسات اللي كتشتغل معنا في هذه المؤسسات اللي زرناها في الشهور الفارطه ملي كنا كنديروا جل ديال المشروع ديالنا من اجل المناصفه هاد هاد او هاد الموضوع لماذا اخترت في هذا الوقت ديالي. حنا كنشتغلوا على على المناصفة، مشروع ديالنا هذه سنتين من أجل دستا هو المناصفة حق دستوري ولكن حنا بغينا المناصفة كشعار اللي من أجل التمثيلية النسائية السياسية، علاش هذه الظرفية الراهنة؟ لأنه على مشارف حنا على مشارف الانتخابات وخصنا تكون عندنا نظرة مكتملة على المشروع القانون اللي غادي نقدموه من أجل المناصفة ونمط الاقتراع هو 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 أساسية, euh, خس... عليها, لل... القانون, euh, madame Moufak Haji, à travers la thématique de, que vous venez d'organiser, quel objectif vous voulez-vous atteindre Eh bien, écoutez, pour nous, euh, cette table ronde sur le mode de scrutin et la représentation politique des femmes et avait, avait deux objectifs. Tout d'abord, créer un dialogue. Euh, et donc approfondir la réflexion euh, entre les universitaires et les représentants des partis politiques, des syndicats, en tout cas tous les acteurs en fait de la société autour du mode de scrutin. Parce que, avec le recul, c'est un mode de scrutin que nous avons au Maroc depuis quatre, quatre législatives, quatre mandats. Donc s'il s'agissait aussi de faire une évaluation de ce mode de scrutin, est-ce qu'il est toujours valable Est-ce qu'il y a un autre mode de scrutin qui est plus favorable La réponse est claire aujourd'hui, c'est que le mode de scrutin de liste est le plus favorable aux femmes. En tout cas, alors une représentation politique des femmes. Maintenant, il y a des aspects, parce que nous avons eu, nous avons eu par exemple l'exemple, l'exemple espagnol qui nous a été donné par une professeure de, de droit constitutionnel et ancienne ministre du logement. Euh, madame Maria Antonia Toru Rio et qui nous a montré qu'en en fait il y a des aménagements à apporter au mode de scrutin pour qu'il puisse porter réellement ses fruits et donc pour nous c'est important puisque nous sommes nous allons présenter euh, un mécanisme global pour la parité et, et donc l'aspect de politique, la parité politique il fallait qu'on approfondisse cet aspect parce qu'elle est pour nous prioritaire Très bien. Donc, vous privilégiez quel, quel, quel type Est-ce que vous avez une idée à donner aux téléspectateurs sur le, la meilleure forme pour que la femme soit reprens, représentée mieux politiquement Écoutez, euh, on a eu une idée euh, bon, qui est par exemple l'exemple espagnol c'est que quelle que soit euh, la liste qui est présentée, euh, elle ne peut pas avoir car, moins de 40% de femmes ou d'hommes, c'est-à-dire du genre, et plus de 60% d'un même sexe. Donc moins de 40% d'un même sexe, plus de 60% d'un même sexe sont interdits. Et donc on a une fourchette de 40-60 qui fait que, de manière générale, il y aura au moins 40 femmes, 40 femmes, ou... Au, moins 60, au, au plus 60 femmes, mais en tout cas, on aura un équilibre. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes qui créent cet équilibre dans la société. Aujourd'hui, nous n'avons pas, du fait de la non-représentation importante des femmes et équilibrée des femmes sur le plan politique et sur le plan des, des centres de décision, nous n'avons na, pas cet équilibre sociétal et nous n'arrivons pas à consolider réellement notre démocratie. Voilà. Donc la balle est les, dans les, le camp des partis politiques ce sera certainement le cas, mais pas simplement parce que c'est aussi elle sera dans la, la, la elle sera dans les mains du législateur parce que nous allons présenter des amendements, nous allons présenter un mécanisme global pour la parité que nous allons négocier avec l'ensemble des partis, avec l'ensemble des, 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 des dirigeants du gouvernement, etc. Et aussi donc pour nous, nous, nous pensons que il faudra. Euh, nous allons présenter un mécanisme qui fait en sorte que, par exemple, d'ici l'horizon 2030, le Maroc atteigne la parité, parce qu'on ne peut plus attendre. Les femmes doivent être là et doivent être présentes dans les centres de décision.